Sin ciao les amis, aujourd'hui 26e jour de l'aventure réveil. Alors j'allais dire à Sapa, mais j'ai déjà commencé à rouler. J'ai quitté Sapa il y a une petite heure à peu près. J'ai pas filmé à Sapa simplement parce qu'il pleuvait là ce matin. Avant même d'ouvrir les yeux, j'ai entendu le bruit de la pluie. Je me suis dit merde. J'étais en plus là, dans mon lit, j'étais bien. Le matelas, il était vraiment pas mal. Il était extrêmement confortable. Hier soir quand je me suis couché et que j'ai commencé à faire le montage, je me suis dit ah ouais quand même, j'aurais bien dormi 5-6 heures de plus facile. L'étape d'aujourd'hui c'est Adiang. Alors de Sapa il y avait 240 km. Je viens de regarder, là il y a plus de 207 km. Il y a encore 207 km. Donc j'ai parcouru déjà 33 km depuis ce matin. Là, j'ai fait que de la descente. Je suis arrivé à l'entrée de la ville de Laoké, qui est une ville juste à la frontière, la Chine. C'est vraiment tout près, là, il y a juste quelques kilomètres. Même quand on est dans la ville, là je suis à l'entrée, mais quand on est dans la ville, voilà, c'est vraiment... je crois qu'il y a la rivière qui fait la frontière. Je me suis arrêté ici, petit café, il y avait écrit café sur la pancarte. Donc je suis parti de Sapa direct, cash comme ça, rien du tout. Donc là, petit café Swada, café glacé au lait. Alors, petite pause en pleine cambrousse, j'ai pas trop mal roulé là, alors bon, je suis parti tard ce matin pour changer, mais en à peine 2 heures là j'ai pas mal roulé, j'ai fait 90 km, donc il m'en reste normalement à peu près 150, et quand je suis arrivé à l'entrée de la Hockey là, alors je savais qu'il fallait que je prenne sur la droite, j'ai pris une des premières routes là à l'entrée de la ville sur la droite, je me suis retrouvé sur une autoroute. Alors en fait ouais, il y a une autoroute qui va de la Hockey jusqu'à Hanoï. Et c'était bizarre parce que bon, j'étais la seule moto. Alors, au départ, je me suis vraiment posé la question si voilà, j'avais le droit d'être sur l'autoroute. Même des voitures et des bus, il n'y en avait quasiment pas beaucoup. Enfin, j'ai fait 15-20 km à peu près sur l'autoroute. Bon, moi j'ai bombardé, hein. il y a des panneaux, c'est écrit 80. Je suis quand même monté à la vitesse exceptionnelle de 90 km/h. Du coup là j'ai fait 20 bornes en pas longtemps. Puis j'ai pris une sortie parce que bon voilà, c'est quand même moins sympa, l'autoroute c'est un peu monotone. Donc là j'ai repris une route secondaire. Même si aujourd'hui, là, enfin depuis ce matin que je suis parti, les paysages sont moins spectaculaires, il y a moins de rizières en terrasse. Là je suis plutôt dans une vallée, mais la route est pas trop mal non plus, donc ça roule plutôt bien là ce matin. La moto, je vous en ai pas parlé, mais la moto elle fonctionne nickel. C'est pas une moto super puissante, je sais pas si elle fait 125 ou 115. Dès que ça monte un petit peu, voilà, il faut tout de suite rétrograder. Mais elle fonctionne plutôt pas mal, les freins ça va bien et tout. Nouvelle petite pause les amis, je suis arrivé dans la région de Azieng, et je vais y arriver. Alors dès qu'il y a eu la pancarte, la route elle était défoncée, et il n'y avait plus de route même d'ailleurs, hein. C'était que des pierres, des cailloux. Heureusement ça n'a pas duré trop longtemps, voilà, j'ai traversé un petit village, ça durait 2-3 km comme ça. J'ai retrouvé une route nickel, vraiment une route nickel. Je me suis arrêté dans le petit village de... petite ville, petit village, Kang Bin, petite pause. Et puis je me suis trouvé aussi une petite brioche là, 5000 dong. Je viens de regarder là sur la carte, il me reste 85 km pour arriver à Azieng. Donc ça va, je pense qu'en aller 2 heures ça devrait être fait. Si la route est aussi bien que ça, si le temps se maintient. C'est couvert depuis ce matin, mais pas de pluie à part à Sapa là au départ.
où j'ai eu un peu de pluie, mais sinon pas une goutte pour l'instant. Donc ça c'est plutôt cool. J'espère arriver à Asieng pas trop tard, que je puisse me poser tranquillement, petite douche chaude et puis surtout manger. Nouvelle petite pause et dernière petite pause, je pense, avant d'arriver à... Avant d'arriver à Asieng. Alors, la fois d'avant, là, quand je me suis arrêté, je vous ai dit, ouais, j'ai retrouvé une route nickel et tout. En fait, que dalle. La route était défoncée pendant, allez, peut-être 20 km. Défoncée, vraiment, avec des carrément des piscines au milieu de la route, des grosses flaques. Coup de pierre, coup de caillou, donc... Les 25 km là, enfin les 20-25 km, j'ai mis longtemps à les faire. Et là, je viens de retrouver une route, mais vraiment nickel. Vraiment nickel. Tout à l'heure là, j'ai suivi un pick-up qui roulait pas mal, qui klaxonnait tout le temps, donc il m'a un peu ouvert la route, je l'ai suivi pendant pas mal de kilomètres. Là j'ai bien avancé. Je vous ai fait moins d'images là pour l'instant, parce que bon, c'est beaucoup moins spectaculaire qu'hier, je suis dans la vallée. Par contre, je vais vous montrer une petite chose, là il y a des plantations de thé. Oui, je vous ai parlé du café. J'adore le café, mais... Bon alors, je suis un peu loin, je sais pas si vous arrivez à deviner, mais ici, là, c'est des plantations de thé. J'en ai vu pas mal tout à l'heure, il y en a peut-être... Non, je sais pas si c'en est en face. Là, en tout cas, ça, ici, c'est du thé. Et il y a aussi une deuxième chose que je voulais vous montrer. Je voulais déjà vous en parler depuis quelques jours. Alors ça se consomme surtout dans le nord du Vietnam. C'est... Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Vous voyez, cet appareil-là, là, hein. Alors, en français on appelle ça un bang, ici je sais pas comment ils appellent ça, c'est une pipe à eau en fait. Alors là vous voyez, c'est un petit boui-boui de bord de route là, où on peut prendre le café, le thé. Vous avez des bangs là comme ça qui sont à disposition, vous avez le tabac ici, le briquet. Donc les pipes sont déjà remplies d'eau, il y a de l'eau à peu près jusqu'ici là. Et puis vous mettez votre tabac ici, et puis les Vietnamiens là ils fument ça tranquillement. Le tabac c'est à disposition je pense là, hein. Là je pense, ça m'étonnerait qu'ils le fassent payer. Voilà, vous prenez le thé, vous consommez et vous avez le droit de fumer un peu sur la pipe à eau. À Asieng. Alors je viens juste de garer la moto, je me suis mis sur le bord de la route là, sur le trottoir, petite échoppe, je célèbre mon arrivée ici avec un petit jus de canne à sucre. Les derniers kilomètres c'était nickel, franchement la route top de chez top. Je vais chercher un endroit où dormir, alors je voulais justement vous montrer comment je fais, c'est pour ça que je me suis posé ici. Je vais faire un petit tour sur Google Maps pour bien localiser le centre de la ville, et puis après je vais sur Agoda. Alors Agoda c'est comme Booking, d'ailleurs je crois que ça appartient à Booking, comme ça ça donne une idée du tarif, et puis surtout il y a des photos, comme ça on peut voir un petit peu les chambres, puis on peut aussi faire une recherche sur la carte, j'ai pas envie de refaire des kilomètres pour trouver une chambre. Alors voilà les amis, la ville de Asieng avec la rivière là qui passe au milieu. Donc moi je viens juste de traverser le pont là, ici, et puis le centre se trouve par ici. Alors on peut déjà faire en zoomant là une petite recherche comme ça, vous voyez il y a quelques hôtels ou quelques guest house qui apparaissent. Et puis donc Asieng, là je suis sur l'application Agoda, on est bien le 8 aujourd'hui, ouais c'est ça, 8 ou 9. Je fais une recherche, alors même si je réserve pas je mets la date parce qu'il y a des hôtels qui peuvent être complets. Donc les résultats, j'ai mis un filtre déjà, j'ai mis normalement du moins cher au plus cher, c'est ça. Donc les résultats, vous voyez là, il y a des résultats à 1€, 1€, 1€, tout ça là, c'est des chambres, c'est en dortoir. Hein. Après, ce qui est sympa, bah, c'est de regarder par carte en fait, enfin sur la carte. Vous regardez sur la carte ici,
Voilà, vous zoomez. Moi, je sais que je viens juste de traverser le pont. Là, je me trouve, voyez où il y a le pont à 2 euros. Là, je suis quasiment ici. Voilà, et puis ben, vous cherchez les adresses. Là, 13 euros, 7 euros, ça doit être des chambres. Ça, c'est les prix des chambres. Dès que vous voyez des 2, des 1, ça, c'est des chambres en dortoir. Là, il y en a une à 7 qui est vraiment tout près d'ici. C'est la rue qui se trouve sur ma droite. River Queen Guest House. On peut jeter un coup d'œil. Emplacement, la note, c'est 10. Chambre double, budget, 7 euros. Bon, ça m'a l'air propre. Avec une petite vue sur la rivière, la salle de bain, c'est tout près d'ici. Bon allez hop, je vais aller jeter un coup d'œil. Et bien voilà, c'est tout simple. River Queen Guest House, 200 000 dong la nuit. C'était, allez, 200 mètres, hein, j'ai roulé 30 secondes. Donc, petite chambre, alors petit inconvénient, il n'y a pas de fenêtre. Mais pour une nuit, ça fera largement l'affaire. Pas de grandes explications, un grand lit, la petite table, la grande télévision, et puis salle de bain. Toilette, chauffe-eau, c'est parfait. Ce que j'aime bien, c'est ça. Là. Vous voyez la fille à la réception, là, j'ai payé la chambre. Elle m'a pas accompagné, elle m'a donné le petit panier qui va bien avec voilà, la clé, les télécommandes qui vont, la télé, la clim. C'est mignon tout plein, ça. C'est l'heure de manger, j'ai fait le tour de la ville là un petit peu. Je cherchais un truc en particulier, j'ai fini par le trouver. Panseo, c'est un genre de crêpe avec un peu de garniture au milieu, ça peut être de la viande de porc, des petites crevettes. Alors je vais vous montrer comment elle fait. Donc voilà, elle a sa pâte là qui est préparée à côté et puis elle verse dans une petite poêle là qui est bien chaude. Ça forme une petite crêpe et puis après elle met un peu de garniture, vous voyez, un peu de soja, là, et peut-être de la viande de bœuf. Là-bas, je vois qu'il y a des petites crevettes. Voilà, petit morceau de viande. Petite bain. Petite lame. Viande de porc. Petite lamelle de viande de porc. Voilà, petite préparation bien sympathique. Un petit peu de soja. Et voilà à quoi ça ressemble, les amis. Come on. Le petit banseo, les petits légumes marinés à côté, la petite sauce piquante, voilà, tout va bien, les petites herbes. La petite différence par rapport au Cambodge, le Cambodge c'est servi, vous avez juste voilà, le banseo, les petites herbes et les légumes marinés qui vont bien, et la sauce. Ici au Vietnam, vous voyez, on vous rapporte un petit paquet comme ça, vous avez des feuilles à l'intérieur, c'est une feuille de riz, ce qui sert à faire des rouleaux de printemps ou les nems, et vous pouvez vous faire votre petit rouleau de printemps vous-même. Un petit peu de salade, voilà, une feuille, deux. Vous mettez un petit peu de légumes marinés. Vous avez après un petit peu de concombre, un morceau de panseo. Et après, vous faites votre petit rouleau de printemps, vous serrez bien. Et après, vous n'avez plus qu'à tremper dans la sauce. Un pur bonheur. Je me suis régalé les amis, c'était vraiment excellent. 30 000 dong seulement, un tout petit peu plus d'un euro. C'était vraiment très très bon. Et puis la nana là était très sympathique, elle parlait quelques mots d'anglais. Ah mais ça y est, je suis déjà arrivé à la caisse. J'étais vraiment tout prêt. Voilà, fin de cette journée. 240 km parcourus aujourd'hui. Demain on poursuit l'aventure. Je vous expliquerai un petit peu l'itinéraire demain. Je vous ai fait un peu moins de paysage aujourd'hui, j'ai vraiment tracé la route. Et puis bon, c'était un peu moins spectaculaire qu'hier, il y avait moins de rizières en terrasse, je vous l'ai déjà dit. Mais en tout cas c'était une excellente journée. La petite partie un peu tape-cul là qui a duré 20-25 km. Là c'était un peu éprouvant. Mais les derniers kilomètres c'était que du bonheur. Je suis très heureux d'être arrivé à Dieng. C'était vraiment le centre d'intérêt que je voulais découvrir cette année là. C'est la première fois que je viens, ça va, voilà, c'était rapide en coup de vent. Normalement demain il y a aussi de très très beaux paysages sur l'itinéraire. Je vous explique tout ça demain matin. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam. Ciao, good night.